Salut à tous, salut à toutes, c'est DR46 pour la suite du Let's Play sur XCOM. On s'était laissé ici avec des missions d'enlèvement. On avait le choix entre trois destinations possibles, si j'ose dire. Alors, au niveau de notre tour opérateur, on peut voir qu'on a Marseille, Bombay ou Brasilia. En regardant rapidement, Marseille, c'est une mission modérée, panique 2. Et puis, on peut gagner un nouvel employé, un sniper. À Bombay, c'est difficile, panique 2, et puis on peut gagner 4 ingénieurs, et on sait qu'on en a besoin des ingénieurs pour construire le labo de cybernétique, et puis pour avancer dans la production de structure avancée, pardon. Et puis encore au Brésil, panique 1, modéré, et on gagne un peu d'argent. Donc on se rend compte assez rapidement, là, vu la situation, qu'on va aller à Bombay. Simplement, c'est difficile. Avant de confirmer, oups là, je voulais juste vérifier 2-3 choses. Tout à l'heure, avant de commencer, les soldats, pour les surnoms, là, vous m'avez demandé si j'allais changer les noms, bah voilà. Shannon a une bonne idée, pourquoi pas mettre les noms des abonnés, et puis de la Dim Family, comme on dit. À tout seigneur, tout honneur, Shannon, voilà, c'est le surnom de notre plus haut gradé actuellement, c'est un sergent, c'est Carlitos Bananas, notre grenadier. Donc, tous ceux qui atteindront un grade de sergent auront un petit nom, et puis je vous laisserai découvrir la suite. Là, il faudra qu'on pense à mettre sur le grill une de nos recrues. Je sais pas trop qui. Je pense, j'ai bien envie de mettre l'italien, là, Ricardo. Ça me plaît déjà. Il ressemble à quoi, d'ailleurs? Ouais, d'accord. On changera tout ça. ensuite, au niveau de la production, j'ai produit un électroflux. J'en ai un à disposition. J'ai encore les scopes, oui, qui ont été très très utiles, hein. Je suis d'accord avec toi, Shannon, je pense que j'aurais pas pu faire mes kills au snipe si je l'avais pas équipé avec, donc c'est bonne pioche. Les gilets en nanofibre. Ok, puis au niveau des installations, on a bientôt fini de faire une excavation ici. On construira un générateur un peu plus loin, et puis dès qu'on peut, enfin le générateur on en a pas besoin tout de suite d'ailleurs, dès qu'on peut, on fera le terminal de liaison, mais le souci avec le terminal de liaison, c'est que voilà, 10 ingénieurs, j'en ai pas assez. D'où l'importance de réussir maintenant cette mission. Alors, on retourne ici, les enlèvements, Bombay, on confirme. Allez, c'est parti. Donc, voilà, là, il y a notre recrue. Équipement, je crois que je vais lui mettre le gilet en nanofibre, j'en ai encore. J'ai un scope. Hein, avant de commencer la mission, hein, je voulais faire quelque chose. J'ai failli oublier, heureusement. Alors... je voulais qu'on... Non, c'est pas ici, c'est au niveau du centre de formation, acheter travail de pro. Expérience plus 25% à chaque élimination. Pas mal, hein, pour monter vite, je me dis. Ça coûte 125 quand même, mais j'ai 411. J'achète. Donc maintenant, on revient vite à la mission. Voilà. Ensuite, Cap Liu. Équipement, elle, ouais, c'est standard, fusil d'assaut. Je peux pas encore construire le fusil, il me manque des ingénieurs. Et puis, gilet en nanofibre, non, on va le laisser grenade. Électroflux à disposition et un medikit. Je crois que je vais mettre l'électroflux, en fait, comment il s'appelle, le commando. Celui qui peut rusher le plus. Bon, il a le gilet en nanofibre que je vais devoir lui enlever. On va mettre l'électroflux à la place. Ensuite, commando, sniper, grenadier, sapeur. Oui, sapeur. Ce que je devrais faire, c'est mettre à la place de la grenade, pour le sapeur, le medikit. Permettra de soigner. Ici, Shannon. Là, je l'ai identifié en rouge. On le verra bien comme ça. Est-ce qu'on lui met le scope ou on laisse une grenade? J'ai envie de lui mettre le scope. Tant pis. Oh, j'ai plus de grenades à disposition du coup. Bah tant pis. On va miser sur la précision. Tac tac tac. Ouais, je pourrais augmenter la taille quand quelqu'un aura atteint le grade de. C'est quoi, lieutenant? Je crois qu'on est bien là. Alors on lance la mission. Les petits trajets habituels. Ouais, jusqu'en Inde, ça fait un sacré trajet. Bon, j'ai eu un peu de chance aussi la dernière fois. Cette fois, la zone d'opération se trouve pour que ça dure.
Les forces de l'ordre locales ont signalé une attaque d'extraterrestres sur un quartier à forte... Centrale, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. Alors... Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. C'est assez linéaire. Strike One, alpha vert pour se déployer. Ouais, ça peut venir aussi sur la gauche. Allez, on va avancer avec Shannon. Affirmatif. Il y a de la mêlée un peu plus loin. On le laisse en vigilance. Notre petite snipeuse. On va se mettre là-bas. Aussi en vigilance. C'est parti. Puis on va recheck le commando. Vigilance, c'est parti. Fais-nous plaisir comme la dernière fois, c'est tout ce que je te demande. J'ai le matos. Oh, 3 tours. Va falloir aller vite. Allez, avec le commando aussi. Bien, chef. Et il nous reste notre crew qu'on va faire sprinter jusque là. Ok. Le tour des aliens. J'ai bien envie de le faire sprinter jusque là, c'est un peu risqué. Bien reçu, je bouge. Ok, ça va. La recrue. La recrue. On va jeter un œil là-bas. 5 sur 5. Eh merde. C'est chaud. Eh merde. Ça, ah oui, ça c'est. Comment il s'appelle ceci il déjà d'un agent. Alors Shannon, tu vas aller. Tu vas aller aider notre crue. Hein. On va courir jusque là, il aura une ligne de tir comme ça. 5 sur 5. Ensuite, le snipe. Hein, je peux. J'ai pas de solution de tir là. Alors on va sprint. Oh, s'il tire là-dessus, je sens que ça va péter ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de se mettre à couvert derrière. J'hésite. Bon, allez, cours jusque là. C'est parti. Je dégarnis un petit peu le flanc gauche. Allez, on va se mettre en vigilance là pour qu'elle couvre la prise de mêlée. Elle a du fumigène à disposition et le medikit. Ils vont faire les salopards, eux. Ça risque de se mettre chance et la recrue en plus. Ça, j'ai peur pour lui. Oh, ah oui, c'est vrai, ils empoisonnent. Ah, c'est chiant ce machin. Shannon, t'as pris. Aïe, aïe, aïe. Ouf, il loupe. Il est empoisonné. Est-ce que notre snipeuse émérite là, elle peut s'en faire un? Alors 68%. Les deux. Bon, allez, on y va, go. Et de 1. Ah, il me fait vraiment plaisir. Ah, par contre, Shannon. Alors, attends. Est-ce que notre crew va nous faire honneur? Allez. Ouais, à moitié. Bon, Shannon, il est costaud, mais bon. On va... Si je le sors comme ça, et puis qu'il nous fait un move correct. Ah, seulement 39. Je croyais que j'avais beaucoup plus, là. Complètement à découvert. Je te mets en danger, Shannon. Notre commando. On a pris la mêlée, c'est déjà ça. Comment on va se positionner? On va avancer jusque là. Et puis on va se mettre en vigilance. Ok. Vigilance aussi. Ah là là. Non, Shannon! Ah, ça va. Je m'en serais voulu là. J'ai vraiment fait une bêtise. Parce que à découvert. On va laisser la recrue tirer d'abord. Histoire de se faire un peu d'expérience. Oui, ok, pardon. Allez, non! La cible n'a rien. On va encore améliorer le snipe. Si c'est possible. 68%. Eh ben, c'est le sans faute.
Celle sans faute. Joli. Alors, notre médecin, il pourra aller soigner Shannon. Si on lui dit de faire genre tac. Bien, commandant. Non, non, non. Pardonnez-moi. Là, je sais plus comment j'annule. Non, là, je fais carrément... Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Je rejoins la position. Toi, tu viens là et... Ouaf, pour deux, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je suis pas sûr. Allez, c'est rien. C'est pour m'excuser du fail. Alors, notre commando. Au pire, je le remets à couvert. Il va jeter un coup d'œil là derrière. Y a rien. Et puis lui, Gaspard, il pourrait avancer jusque... Il peut plus avancer. Shannon, on va le mettre à couvert ici. C'est la moindre. Et puis toi, tu vas rester en vigilance. Ok, ça... je sais pas d'où ça peut venir encore, là. Ah, Shannon, s'il monte sur le toit, là, il... pourra nous montrer peut-être ce qu'il y a de plus là-bas. Plus là-bas. Ouais, parle la France un peu mieux, toi. Bon, pas grand-chose. Alors, snipe. Sprinter jusque là-bas. Compris, j'y vais. Toi, vers le train. Bien reçu. Le commando. Je vais jeter un œil par là. Ça roule. Vigilance, ok. Et notre petite recrue italienne. J'y suis déjà. Va courir jusque là, ok. Et merde. Je pensais pas qu'il y en avait dedans. Et bien joué, mec. Ouais, t'as beau gueuler, t'es tout seul maintenant. Allez, Shannon. Je rejoins la position. Ok, boum. C'est quasiment réussi à coup sûr. Sulfatage en règle. Il est mort, je confirme. Bon, nice. Allez, dans le train, à couvert. J'avance. Ah ouais. J'ai mis en vue. J'en ai déjà buté combien? 5? Où il y a de la mêlée tout là-bas. Ça va être difficile d'avancer. J'hésite. Alors, lui, on va le faire avancer jusque-là. Oh, il y en a là-bas aussi. Ok, on va se mettre sur les deux flancs. Je sais pas s'il y a encore beaucoup d'extraterrestres. Après, j'en ai buté un certain nombre. Pas super bien caché, là. Il n'y a pas plus, non. Il y en a 3 dans sa ligne de mire. Est-ce que je me laisse en vigilance? J'ai quoi comme pourcentage? 45. Bon. Allez, on va essayer. Oh, bien. Voilà, il a gagné sa place. Le snipe. Tire à la tête. Ouh, beau pourcentage, hein. Le dieu. Eh ben, c'est son 6e de suite. J'y vais tout de suite. Voilà, ah, il y a la mêlée, j'aurais peut-être pas dû avancer autant. Voilà, c'est un bon pourcentage. Ah, je l'ai pas battu. Dommage, ça aurait été un joli rush victorieux là. Si je cours là derrière, je suis bien à couvert. Allez. C'est un commando. J'ai l'électroflux. Il va lui tirer. Oh là là. Il est complètement à découvert là. C'est pas bon ça. Ouf. Ouais. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui tirer dessus aussi. Vigilance. Ah merde. Merde. Bon, Shannon, lui, il est tranquillou là-bas. On va le faire rusher jusque dans le train. Yeah. Ah, je l'aime bien en rouge comme ça.
Ah ouais, mais alors là, il a découvert encore. Hein. Ouh. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je peux pas résister là. Au 7ème de suite. Bon, bah, l'arme est vide, très bien. Lui, on devrait pouvoir. Ah, 44 seulement. Ah, non, là, je crois que j'ai un peu trop abusé. Alors lui, il est complètement à découvert. Si je me mets là. Pas mal. Enfin, pas mal. Au moins, je suis à couvert. 30%. Juste voir un truc. Fusillade. Est-ce que je peux... Pardon. J'aimerais... Voilà. Non, je peux aller jusque là seulement. Est-ce que je me la tente, un sale roche, là? Ah, moi, je suis assez bourrinose, j'aime bien. Allez. Je vais porter le coup de grâce. Ah non, mais... Ah, je pouvais avancer? Non, là, je peux pas. Je crois que j'ai merdé. Bon, deux tirs de précision. Voilà. Ça a marché. Bon, c'était pas trop mal. Pas trop mal. Ça aurait pu être mieux, deux, trois hésitations, mais ça commence à venir. Surtout, ils m'ont même pas tiré dessus, en fait. Est-ce qu'ils m'ont tiré dessus? Enfin, oui. Oui, ils ont blessé Shannon, évidemment. Oui. Ok. Ah, bah, Shannon, du coup. 13 éliminations en 7 missions. Il est promu. Promouvu. 50%. Ah ouais, les robots, il y aura des robots, c'est ça. Ah, attends. Ça, c'est quoi? Réactivité, un deuxième tir réflexe si l'unité est en mode vigilance et que le premier tir réflexe a touché sa cible. Ouais, mais contre les robots, c'est... Ah, ça peut être méchant. Allez, ça va être l'anti-robot. Sergent. Irina Zulu Semeneyeva. Ah, dommage qu'elle soit pas tchèque. Tant pis, je pense que ça va être Dim. Il comprendra pourquoi le fan de Prague s'il nous écoute. Alors, 10% visé pour la position stratégique. 10% contre les ennemis en contrebas, en plus des bonus de hauteur habituels. 2 dégâts bonus pour les pistolets. Non, on va prendre ça. Hein. Elle est tellement forte au snipe, notre Dim. Ah bah, voilà, ce sera le prochain. Attendez, je réfléchissais comment on changeait le nom, c'est pas ici. Ah bah voilà, Gasparato, il était promu. Et ça sera aussi un sapeur. Très bien. Par contre, Shannon, bah oui, t'es hors course pendant 5 jours. Nouvelle médaille, tiens. Badge de combat urbain est maintenant débloqué. Visitez la caserne pour choisir une capacité spéciale pour cette médaille. La renommée l'a décernée à un soldat. Ah ouais. Bah ça, j'avais pas dans... Quand j'avais joué à l'époque, il n'y avait pas système de récompense. Sympa. Nouvelle installation disponible, atelier. 5 ingénieurs. Bah oui, voilà, c'était un autre moyen d'avoir des ingénieurs. Mais comment je l'ai débloqué? D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris. Ah, c'est en passant la mission ou en ayant 4 ingénieurs? Je ne sais pas. Stopper la tentative d'enlèvement. Indice de panique en hausse, par contre, en Europe et en Amérique du Sud. Nous vous recontacterons, commandant. Moi, je trouve que c'était sympa. Commandant, vous pouvez désormais décerner à nos soldats les médailles que vous estimerez adaptées à leurs exploits. Pour ce faire, rendez-vous à la caserne. Alors, on va voir ça à la caserne. Donc, le surnom, ça m'est venu comme ça. Enfin, je pensais mettre évidemment pour Dim, mais... en plus, en bonne femme, comme ça. Qu'est-ce qu'il aimerait comme voir? Bien, commandant. Bien, commandant. Bien, commandant. Affirmatif. Affirmatif. D'accord. Ouais, voilà. Elle est méchante. Origine. Non, ça... On va aller... Une fille de l'Est. La tête, la couleur de peau. Cheveux, casque. Je crois qu'il voudrait plutôt une blonde, hein. Une blonde, ouais, ça fait un petit peu... Comment on va la mettre? Si j'ose dire. Oui, je t'avais mis un casque un petit peu à la... Oh bah... Voilà, faire... Non, chauve, non, c'est trop. Allez. Oh, on s'en fout. Allez, hop, la coupe au carré. Petit peu garçon. Déco d'armure. Voilà, avec les jumelles, magnifique. Ok. Alors, on voulait aller voir cette histoire de médaille. En tout cas, moi, je sais pas vous. Les médailles. Badge de combat urbain, récompense restante 1, récompense restante 2. Donc, je fais quoi avec ça? Renommer la médaille, attribuer pouvoir.
Visée plus 5 contre les ennemis complètement à couvert. Défense plus 5 lorsque l'unité est à couvert. Ok, allez. C'est la manière définitive. Ok. Décerner la médaille. Bah, j'ai envie de la donner à notre blessé et pour l'instant plus haut gradé, Shannon. Hein. Très bien. Et puis j'ai une autre médaille. Ah voilà, on découvre sans le casque. Je sais pas si ça te va. Garde à vous. Ah bah tiens, j'avais jamais vu ça, c'est cool. Bon, ça va vite me lasser peut-être au bout de la 32e, mais... médaille du défenseur. Renommée la médaille attribuée de pouvoir. L'unité ne panique jamais lorsque ses alliés sont blessés ou tués. Les medkits et le brouillard réparateur ont 2 PV supplémentaires lorsqu'ils sont utilisés sur le soldat. Alors, d'accord. On va prendre ça et puis on va la décerner à notre commando parce que lui, il risque d'avoir besoin de soins. Je vais l'envoyer au casse-pipe 2-3 fois. S'il en meurt pas d'ailleurs. Allez, Isidoro. Est-ce qu'on a d'autres sergents à renommer d'ailleurs? Ok. Ah, mais je manque encore une. Est-ce qu'on peut les changer ou. Ok, d'accord. Pourquoi il est grisé d'ailleurs? Je ne comprends pas. C'est parce qu'il a une médaille? Je ne sais pas. Ah, mais j'en ai encore une là. Pouvoir choisi. Et puis je peux la redécerner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se ferait soigner facilement. Grenadier, grenadier. Doré Fofana, ouais. Elle a mérité, elle. Elle est gravement blessée là, on l'a rhabillée. On l'a mis au garde à vous. Allez, retourne au lit. Bon. Alors, ça fait 22 minutes qu'on tourne. Là, je pense qu'on va pour l'instant faire une mission par épisode. Après, peut-être j'en ferai plus pour avancer. Ça serait bien qu'au prochain épisode, maintenant, j'essaye d'attraper un extraterrestre pour pouvoir l'étudier. On va peut-être juste se permettre d'avancer un peu jusqu'au... Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Ah oui, pardon. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Avant qu'on se quitte, on va voir maintenant ce qu'on peut faire. Le fusil laser, ouais. Alors, 12 ingénieurs, 15 alliages, ça coûte 25. On va en faire 2 pour commencer. Et voilà, il le teste. Bon, d'accord, ça marche. On est content. Pistolet laser, on va en faire un. Au pire, on pourra toujours revendre, sauf erreur. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les recherches, bah, on va juste voir où on en est au niveau ici de l'activité mondiale. Un ascenseur va être construit, les lasers de précision c'est dans 16 tours et 20 jours le conseil. Ah oui, mais encore dans les installations, maintenant... On peut faire le terminal de liaison normalement. Oui, commencer. 10 ingénieurs, 5 énergies. J'ai assez d'énergie. Je commence. 14 jours restants. Et ici, générateur, ouais. Ça serait bien gentil. Non. Oui, il faut que j'excave, pardon. Des excavations sont nécessaires. Là, je peux pas encore. Ok. Je sais pas si vous me suivez. Je parle à moitié dans ma barbe. On y va. Ah, construction terminée. Ça, c'est l'ascenseur. Est-ce que c'est ça qui manquait d'ailleurs pour accéder? Oui. Un générateur. Ah, le fric là, il est bien descendu quand même. Et une fois que tout ça sera construit, on pourra attaquer le laboratoire de cybernétique. D'ailleurs, laboratoire... Ah, on peut 3 énergies. Ah bah on peut. On peut. Mais par contre, je suis à sec, hein. Après... On pourra revendre des trucs au marché noir s'il y a vraiment besoin. Mais tout ça, c'est de l'investissement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jusqu'au prochain événement. Je sauvegarde juste là au cas où il y a un problème. Hein? Oups. Oui, il faut double-cliquer. Bon. Voilà. On revient dans le jeu. On surveille. Commandant, ah. On reçoit une transmission du conseil. Je l'affiche tout de suite. Le conseil surveille de près des rapports étranges mentionnant une tentative de détournement d'un convoi militaire français non autorisé. Bien que les responsables soient humains, nos renseignements indiquent que des extraterrestres se seraient trouvés dans la zone. Cela soulève de nombreuses questions quant à la cargaison transportée. Nous devons envoyer une escouade sur les lieux. La centrale aura bientôt notre rapport détaillé. Oui, alors je m'en souviens que le conseil envoie des fois des missions particulières et des récompenses à la clé. Là, c'est pas mal.
Alors on va pas lancer maintenant, on va se garder ça pour le prochain épisode. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DRK36 sur XCOM et je vous dis à très bientôt. Ciao.